C'est le clap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de... Là, de l'OCG Box. Voilà, Shinebox.fr, OCG Box. Tu connais les bails, la passion, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette OCG Box, Marie? Mais c'est une très bonne question, parce que moi, je sais pas, ça s'appelle OCG Box. Je sais qu'il y a des... Donc, il y a des produits. Des produits OCG. Ah, donc, moi, je pensais qu'on allait avoir des produits TCG. Alors ça, dis-moi, qu'est-ce qu'un produit OCG, Marine? C'est des produits qui sortent en Chine, en fait, des produits Yu-Gi-Oh! Qui sortent en Chine. Enfin, en Chine. Bah, si, Chine, OCG. En fait, les produits OCG, pour être bien clair, c'est des produits qui ne sortent pas en TCG. Le TCG comprend du coup l'Europe, c'est tout ce qui est produits asiatiques. Japon, Chine, ouais, tout ça, c'est produits OCG. Hein. Bah, c'est pour ça que je le dis, en fait. Je présente la chaîne Box OCG. Enfin, c'est la box OCG du site chainbox.fr. Voilà. On y arrive. Oui, on va y arriver. Eh bien, vas-y. Allez, c'est parti. Là, la jolie petite carte. Est-ce que c'est le pot de stupidité? Non, c'est dualité. Le pot de... Non plus, c'est le pot d'extra, ça. C'est extravagant, celui-là, d'accord. Extravaganza, yes. Extravaganza, c'est notre forcelle, attention, n'est pas... On sait ce qu'on dirait. On dirait un menu. On dirait un menu, tu sais, dans les restos chinois. Oui. C'est super beau. Enfin, après, c'est chinois, je connais. Je vois pas bien, je sais pas. On dirait Digimon perso, mais. Non, j'arrive pas à reconnaître. C'est dommage. J'ai pas la ref. Mais c'est joli. C'est très très joli. Et ben, ça a l'air très 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 gros. Alors la voilà, Shinebox. Alors attention, mesdames et messieurs. Eh bien, dis donc. Oh merde. C'est quoi? Ah, vas-y, je t'en fous, je lance. Ah, un obélisque, une box obélisque. Non, me dis pas que... Alors désolé, j'ai tapé dans le truc. Ça... Bonjour. Vas-y, bah oui, voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. Y'a rien. C'est vrai. C'est juste une box pour mettre des box dedans, je pense. D'accord. Bah non, mais tu peux mais mettre des cartes, en fait. Stylé, mais oui. C'est une boîte pour ranger des cartes, avec du coup obélisque. Ah, trop beau, là. Je peux l'avoir. Blanc, magicien et tout. C'est ce qu'il y a dans le dessin animé, en fait. C'est ça. J'espère que vous voyez bien. Attends, je vais juste faire une vérif, mais... Ouais, on voit pas très bien. Attends, j'incline ça légèrement. Oui, je trouve de Gab. Voilà. On va mieux la voir. Comme ça. Voilà. Donc oui, elle est bien vide, mais elle est très belle. Elle est bien vide, mais elle est très belle. Ça, c'est très bon. Oh, elle a fait plein de petits paquets. En fait, c'est le cadeau de Noël C'est Noël. De Shinebox. Tellement... Mais alors, vas-y. C'est des sous. Ça se sent. Bah bon? Bah oui. Ça se voit, on voit un petit peu à travers. On voit un petit peu au travers du papier. C'est très léger. Oh, oh, ah putain! Le magicien son. J'espère qu'on les aura dans la chaîne box, celles-là, parce qu'elles sont magnifiques. T'as cru, toi, c'est... Celles-ci sont magnifiques. C'est la box au CD, c'est pas la chaîne box. Celles-ci sont magnifiques. Encore des clips. Je vais avoir quoi faire en plus, hein. Alors là, c'est des transparentes. Non. Non. Non, si. Regarde, il y a des petits logos. Oui, mais oui, il y a des petits logos autour, mais elles sont transparentes, quoi. Il n'y a pas un fond noir. Non, oui, par contre. Donc, c'est des petits motifs. J'ai envie de dire. Comme des hiéroglyphes. J'ai l'impression. Je sais traduire. Logique. Oui, bien sûr. Il y a écrit Sharon est la meilleure. Ah, bah, tu vois, si c'est écrit en égyptien. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Ça a l'air très le jeu Switch, oui. Non. Oh merde! Mais j'ai pas de carte suffisamment de valeur pour mettre là-dedans, moi. C'est un présentoir. Eh, peut-être que là-dedans tu auras peut-être une. Avec Yu-Gi-Oh! Et tout. Oui, non, mais peut-être que là-dedans tu auras une carte qui vaut 1 million d'euros. Oh, on sait petite, jamais! La petite des contours cadres pour mettre dessus. Oui, c'est un cadre qui fait le contour, ouais. C'est super beau. Stylé. Tu mets ta carte préférée dedans, t'es pas obligé de mettre une carte de valeur. On va devoir acheter une vitrine. Non, tu peux mettre une carte que t'aimes beaucoup. Non, mais merci, j'étais au courant que j'avais le droit de mettre ce que je voulais. Si tu as rat en ghost, tu le mets dedans et voilà. Ah, ça c'est pour après. Au moins qu'on les ouvre pas, mais. Oh mince. Quoi? Déjà les prismatiques God? Oh. Moi ce que j'adore c'est ça. Mais voilà.
Tu vois, tu fais ce que tu veux, c'est ta box. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ah non, t'es pas obligé, ça c'est un deck. Ça c'est un deck. Alors c'est un deck Rush Duel. Non, c'est pas un deck Rush Duel. C'est quoi? Ah, c'est trop stylé. Bah, ça par contre, je l'ouvre pas. Parce que je saurais pas jouer en japonais. C'est quoi comme deck? Alors. J'en connais pas du tout la bestiole qui est devant. Bah c'est de l'OCG en même temps. Ouais, non, mais c'est d'accord, mais à l'arrière il y a des espèces de symboles. Je crois que c'est les mêmes qu'il y avait là, il y a des petits symboles. Putain, non, mais je connais vraiment pas cet archétype. C'est la première fois que je vois ça. Plus, ça me dit... Un dragon en feu avec une épée, quoi, c'est. Ok, bon. Bon, voilà, exactement. Alors, ça, c'est un parfum. Dior. Eau de Kuribo. Oh bah tiens, on croirait presque une boîte de parfum. C'est quoi, c'est une sorte d'édition spéciale? Il y a un couteau en même temps. Sélection 10. Mais putain, c'est des produits que je ne connais pas du tout, donc je les découvre en même temps que toi. Hein. Oh là là. Oh, c'est con que ce soit tout écrit hein. En quoi, en chinois ou en japonais? C'est en japonais. En japonais. Ouais. Parce qu'il y aurait un petit mot en anglais, je comprendrais, mais il n'y a rien. Bah déjà, dessus tu as cet archétype-là, je sais plus son nom, mais qui me parle, je sais plus c'est quoi le nom de celui-ci. Mais si, c'est dedans t'as des boosters. Je pense. Non, bah non. Mais là, c'est, on dirait une édition spéciale. Non, c'est un parfum, eau de Kuribo, c'est numéro 10 de Chanel. En fait, pour faire ce parfum-là, ils prennent plein de Kuribo, oh, ils non les pressent. C'est affreux ce que tu dis. Alors, je veux pas dire, mais ça c'est... Oh! Oh, attends, c'est une pochette avec une... Ah, je croyais que c'était un tapis, moi, dedans. Un playmat dedans. Sors-le sous la caméra. Attends, je vais t'aider. Vas-y, tire le bout. Ah non, on va y aller doucement, on va pas l'abîmer. Voilà. C'est rose. Oh, mon Dieu. Oh, elle est magnifique. Bah oui, c'est le... cerisier, non? Celle-là. Je sais plus, c'est cerisier. Ah, tu crois que c'est une end trap? La carte, oui. Mais c'est pas une end trap. Mais si. Non. C'est qui alors? Je sais plus, mais c'est pas une end trap. Ouais, elle sait pas, mais il me dit que c'est parce que. Alors, si c'est une end trap, my bad. Mais de je moi... sais pas si elle c'est une end trap. Mais les end trap c'est des fantômes. Floraison de cendre, cerisier. Mais non, pas H. Je sais pas, faudra que je regarde dans mon deck aroma. Marvel avec un petit Yu-Gi-Oh! Comme ça. Je trouve ça trop stylé en fait en japonais. C'est écrit Yu-Gi-Oh! Oui, mais en le japonais en dessous. C'est ce que je dis, c'est écrit Yu-Gi-Oh! Mais non, mais là c'est pas écrit Yu-Gi-Oh! Ah, tu sais lire le japonais? Oui! Ah, figure-toi! Voilà! Mais après les bêtes, ça fait les appels. Je sais pas, il y a quoi après? Il y a une autre boîte? Bah, ouvre-le, c'est pas grave, on va acheter pas tout. Comment est-ce que j'ai acheté? Il y a une boîte? Dans une boîte. Nope. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mes dents. Attends, je vais essayer de déverrouiller. Ah, tu veux ouvrir les boosters du coup? Bah ouais, faut que faire. C'est chaud de gaffe. Bien, alors du coup. Alors du coup. On va faire la récapitulation. La capitulation. On va récapituler tout ce qu'on tu as eu du coup dans cette box OCG. Voilà. Alors du coup, deux prismatiques God Box Special Pack. Deux boosters. Donc Rush Duel. Donc le un cadre pour être votre carte. Je sais pas si on voit en fait. Si c'est bon on voit. Un cadre pour votre du coup pour mettre votre carte favorite ou rare ou qui cote le plus. Un deck, un structure deck. Alors je pense que c'est parce que c'est un exclusif OCG sûrement que je ne connais pas. Chances, ouais. Mais vous n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires c'est quoi comme deck. Non, il date de 2014 donc non, je franchement non. Il y a quoi comme carte, t'en reconnais pas une là-dedans? J'ai l'impression d'en voir. Non, même pas. J'ai l'impression qu'il y en a un, c'est un aile noire, mais je dois dire une connerie, donc je vois très mal. Donc non, franchement, je vois pas du tout. Donc voilà, ça, bon, c'est pas ce que c'est. On va l'ouvrir. Hein. Tu veux l'ouvrir hein? Mais grave, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ok, bah, des sleeves magicien sombre.
des sleeves pas magiques. Not for sale. Donc ça va pas d'avant. On va l'ouvrir aussi ça. Non mais non, ça peut aussi, oh mais vas-y bon. C'était produit après tout. Et faut pas oublier aussi le magnifique tapis. Et oui. Le magnifique tapis. Je veux voir ce qu'il y a. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah, c'est une. Oh, une enveloppe et une autre enveloppe. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait une enveloppe et une carte, tu sais, pour souhaiter le. Ok. Mais c'est grave beau. Bon, tu veux ouvrir quoi du coup en premier? Allez, choisis. Bah écoute, essaye d'enlever le plastique de ça. Et j'ai balancé ciseaux au bout. Bon, bah attends, je vais le faire. Attends, je vais rechercher le ciseau. C'est bon, j'en ai aucune. Il y en a un, il est super content qu'il y ait deux nouveaux cartons. Oh bah oui, tu m'étonnes. Qui c'est qui a fait la goutte? Alors, voilà. Vas-y, alors ouvre-nous ça. Mets-toi bien. Ouais, t'es bien mis, t'inquiète. Ok, alors on va voir un peu. Du coup, si c'est des boosters, mais j'ai bien l'impression que c'est des boosters. Des boosters de quoi? What? Eh voilà, c'est pas nos éditions spéciales à nous, il y a trois boosters dedans. Mais what? En plus, ils sont vraiment stylés. Je vais regarder ces. Et pour info, les gens, c'est de l'OCG. Mais je le redis, je suis désolé, mais what? Non, mais pour moi, en fait, faudrait faire une deuxième vidéo. Ouverture, en fait. Mais je sais pas si je vais les ouvrir, en fait. Ça va me servir à quoi d'avoir autant de cartes en... Je sais, pour moi, rien, en fait. Moi, honnêtement, je vais ouvrir un pour la curiosité, voir des jolies cartes. Si tu veux. Et les autres, du coup, un booster de chaque truc, et l'autre, tu le gardes, c'est ça? Ouais, à la limite, on fait ça. Bon, ça marche. Je peux ouvrir le Rush Duel et je te laisse les deux autres. D'accord. Par contre, choisis bien le prismatique. T'as une chance sur deux d'avoir une prisma dedans. Ah bon? Oui. Une ghost. D'accord. Et elle ira là-dedans. Bon, si tu veux, oui. Mais bon. Si je l'ai. Ok, ça marche. Bah, vas-y, commence. Ok. Je fais ton ouverture. Ah non, on va garder le meilleur pour la fin. Enfin, si c'est le meilleur, je pense. Mais en fait, dedans, t'as les vieux, je crois. Si j'ai pas de bêtises, c'est dans les prismatiques. Ouais, prismatiques Godbox. C'est ça. C'est vieux, ce truc-là, il me semble. Soit c'est pas encore sorti, soit c'est vieux, je sais plus. Là, je t'avoue, je confonds avec la Ghost. Bon, la rien sera un peu déchiqueté. T'en fous, t'en as en scellé. Oui, mais bon, quand même. Alors. Le petit arrière. C'est différent, alors ça fait plaisir déjà. Alors. Faudra que tu lèves un peu plus, je pense. Ouais, voilà. La là, très connue. Voilà. Ah, ça c'est Perpetua, je crois. T'as vu son effet? Je l'ai en français. C'est Voleur du Temps, ça? Oui, c'est Voleur du Temps. Ok. Oh. Je sais pas ce que c'est. C'est une carte. Effectivement. Une autre carte. Mmh. Carte magie continue, okay. Ok. Alors ça, je connais aussi. Et ils ont encore des rares. Mais je ne me rappelle plus. Donc ça doit être du coup. Mais elle est jolie aussi, celle-là. Ok. Ouais, ça doit être des vieux trucs, du coup, sélection 10. Bon, bah, je vais ouvrir le Rush Duel, moi. Ah, je sais pas comment l'ouvrir sans l'aide du nom. Ah, les trucs OCG sont pas faits pour s'ouvrir comme en TCG, malheureusement. Ouais, comme ça. Pas entièrement. Ah oui, moi je suis pas d'accord. Là, tu peux pas l'ouvrir autrement en fait. En haut. Moi j'ai réussi à l'ouvrir autrement. Je te laisse faire du coup. Ouais, bon, tu l'as explosé quoi. Donc autant. Bon, je explosé, au moins elle est pas coupée. Il aurait mieux fallu du coup que je le coupe. Hein. Ouais. Parce que moi je l'ai gardé pour le mettre dans le cadre du coup. D'accord, vas-y, fais comme chez toi. C'est ce que je fais. Alors du coup, le bébé dragon. C'est de la triche, lui, il a des cartes connues. Ça, c'est une carte terrain. Alors je ne sais pas, ça pourrait être laquelle. Alors je ne connais pas du tout. Quel monstre a fait à 1300, 400, je sais pas. Peut-être un nouveau monstre du Rush Duel, mais ça me dit rien. Ouais. Pareil, je connais pas du tout. Le Rush Duel, le problème, c'est que je connais pas. Et... Oh. Et j'aime vraiment le Rush Duel, alors je sais pas non plus qui c'est. Mais ouais, voilà, en fait, je vais dire pourquoi, c'est que genre vraiment, l'artwork ouais. est plus grand que sur une carte classique, et je trouve ça beaucoup mieux. Oui. Je parle esthétiquement. Ouais.
Puis t'as pas compté le nombre d'étoiles, c'est simplifié, c'est écrit 3 à gauche. C'est écrit directement les étoiles. Ah oui, ça, ah oui, c'est... toi t'as du mal avec les. Non, pas chiffres, moi je passais à avoir compté, tu vas voir. Les links, ça a été toute une histoire. Bah, y a pas d'étoiles sur les links, donc tu vois. Ah ouais, mais y a des chiffres. Ouais. Ça s'arrête à 4, enfin 5, 6. Ouais, bah oui. Vivement la link. La link 8. La link 8. Bah alors, on galère ? Oui. Oui, je galère. Merci. Alors, j'aimerais bien pris mon portable pour faire des recherches sur le Prismatic God, mais il est en train de filmer. Donc, voilà. Non, parce que j'ai pas le souvenir du tout des Prismatic God Box. Vas-y, 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 vas-y. Alors, diffusion. Je connais pas. Moi non plus. J'ai déjà dû voir ça quelque part, mais. Bah, je me demande si c'est pas Trappe sans fond, mais l'artwork est chelou. Mais. Oh putain, oui, carrément bizarre. Il brille ou c'est moi? Ah, on a une espèce de rayure dessus. Tu vois? Vas-y, tourne là dans tous les sens, tu vois. À moins qu'ils soient tous pseudo. Ouais, ils ont tous une espèce de quadrillage dessus. Mais... Ouais, on dirait qu'il y a des cases. Il y a même. Ouais, je sais pas. Des trucs bizarres dessus. Ouais, c'est prismatique. Je pense que c'est ce que c'est prismatique. Oh, c'est... oh. Elle, avec les étoiles qu'il y a dessus, j'ai eu trop cru. Mais on dirait comme des. Tu sais, sur les billets, les trucs. Oui, oui, je vois les trucs bruns qu'il y a sur les billets. Et oh, 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 elle est trop belle. Ça doit être un petit zoom. Ah, si, elle est. Grave, ça. Trop belle. C'est quoi ça? C'est avec les trois dragons blancs. Ben, c'est pas seulement les trois dragons blancs, il y a le soldat du lustre noir dessus. Bah oui, c'est ça en plus. Donc, je sais pas. C'est... Celle-ci, je ne la connais pas non plus. Là, j'ai t'as eu que belle. Des produits que je ne connais pas. La seule que je connais, c'est Bébé Dragon. Bah ouais. Donc voilà. Pour ça, je voulais vous dire. Si, bah, si, ça, c'est diffusion. Oui, si je dis pas, je dis peut-être une connerie, il me semble que c'est celle-là qui permet de récupérer les monstres qui ont été utilisés pour. Non! Pour les fusions, en fait, tu récupères les matériels et tu vires ton invoque. Voilà. Il y avait quelque chose d'autre à ouvrir, non? Non, tout vers les trois. Donc voilà. Ok, bah voilà, hein, ouais, c'est le cas de le dire. C'est beau, surtout, en fait. C'est beau. Mais comme on comprend rien, c'est dommage, ouais. Moi, j'ai pas vraiment d'argument. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que, franchement, c'est des produits magnifiques. Oui, voilà. Le problème, c'est que même si je connais pas, je veux dire, ça je connais pas, ça m'empêche pas de trouver le deck magnifique, ah, tu vois. Stylé. Bon, le Rush Duel, bon, c'est à part, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je trouve ça cool, j'aimerais bien que ça arrive en France, mais j'ai peur que ça arrive en France, ça remplace le Speed Duel. Donc voilà, bah, c'est ça. Parce que moi j'aime bien le Speed Duel. Ça, t'as tellement de boosters là-dedans, c'est juste dingue, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais 2014, donc voilà. Mais sélection 10, je me rappelle pas qu'il y ait des trucs de sélection en France. Et faut pas oublier ton tapis aussi qui est super beau. Oui. Donc bon, pour moi t'as eu des super trucs. Et j'aime bien franchement ce petit truc là, ça fait son effet pour moi. Carrément. Ça, t'as vraiment l'impression d'être au Japon, d'arriver. Tu sais qu'ils font souvent des offrandes et des cadeaux et je trouve ça rigolo. Avec des petites enveloppes et ce genre de trucs. Donc voilà. Moi pour moi c'est des produits géniaux. Puis ça oui, pour moi je pense que ça doit être pour ranger soit des decks, soit des cartes, mais. Ouais, oui. Moi je dirais des decks, tu peux mettre des decks dedans. Ouais, des decks box. Tu les ranges et comme ça ils sont à l'abri. Et en plus c'est du carton, mais c'est pas du carton de merde, c'est vraiment un joli carton. Puis je veux dire, voilà, c'est du produit. C'est décoratif. Hein. C'est du produit Konami. Voilà. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui la chaîne box, mais si, c'est des produits Konami, officiels Konami. Tu as. Ah bah oui. Dans la chaîne box, tu n'as pas que des produits, mais là c'est que du Konami. Bah là oui. Là, je vois pas si t'as eu un autre truc. Bah si, après, peut-être les sleeves encore, mais voilà, on peut chipoter pour des sleeves. Et pardon. La délicatesse. Ah, le cadre aussi, peut-être. Ouais. J'ai oublié le cadre, mais c'est cool. Moi, ça aurait été la mienne, je pense, j'aurais mis mon dragon noir aux yeux rouges. Non. Il y en a un qui est super beau. Bon, mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de cette OCG Box. On remercie surtout Marine, du coup, qui va dire voilà, on l'ouvre pour vous, hein, elle vous montre ses produits, donc vous pouvez lui dire que elle est gentille, même si c'est faux. Pensez au pouce bleu, à vous abonner, tout ce qui s'ensuit. Non mais je plaisante, mais arrête, c'est pour la blague. Pas tout, mais je fais une crotte de nez. Hé, je déconne pas, t'as une crotte de nez. C'est pas une crête de nez. Une crête de nez. C'est pas une crête de nez.
Mais ça, je vais le couper. Allez. Bon, rien faire, moi, dans non, t'as vraiment rien à faire. C'est juste moi de payer le prix du box et de venir avec toi. C'est ça, après, tu te tais, tu es esclave de la société. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, pensez au pouce bleu, à vous abonner, tout est quanti. C'est ça qu'on dit, tout est quanti. Et tout est quanti. Salut à tous. C'est honteux. C'est honteux.